Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avec la présentation de Jésus au Temple, nous continuons. Hier, nous avons parlé sur la loi et aujourd'hui, je vais dire quelque chose sur la loi. La lettre aux Romains, chapitre 13, du verset 1er au verset 7. C'est instruction sur les autorités. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a pas d'autorité que par Dieu. Il n'y a pas d'autorité que par Dieu. Et ceux qui existent sont établis par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien. Mais quand on ne fait pas, quand on fait le mal, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu recevras des éloges, tu recevras ces éloges, car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte le glaive. En punissant, elle est au service de Dieu pour manifester sa colère envers les malfaiteurs. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. C'est encore la raison pour laquelle vous payez des impôts, ceux qui les percevront sont chargés par Dieu de s'appliquer à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt, les taxes, la crainte, le respect à chacun, ce que vous lui devez. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on parlait sur la loi. C'est la loi que Marie et Joseph ont respectée pour aller présenter Jésus dans le temple. Et aujourd'hui, Jésus nous apprend comment respecter les autorités, la loi. Il y a les autorités, il y a la loi, il faut respecter. Beaucoup d'entre nous, d'entre les chrétiens, bien sûr, disent qu'il ne faut pas respecter la loi. Ils ne sont pas allés dans des élections s'ils sont là. Donc, pour eux, ils disent que ce n'est pas nécessaire parce que les autorités proviennent de Satan. Ce n'est pas la vérité parce que la Bible nous dit là, au contraire. La Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. C'est lui qui nomme les autorités et c'est lui qui les a
les envoie pour nous aider, pour nous mettre en ordre. Alléluia. Continuons avec Marie et Joseph dans la présentation de Jésus. Au fait, le vieil Siméon a dit, a été poussé par l'Esprit Saint. Ça, c'est un. Cet homme était juste et pieux. Voici celui qui est Esprit Saint et clair. Ce sont les caractéristiques de celui qui est Esprit Saint et clair. Il est pieux. Et cet homme était juste et pieux. Alléluia. Juste et pieux. Alléluia. Quand, alléluia, tu as Jésus en toi, tu seras juste et pieux. Alléluia. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Alléluia. L'Esprit Saint était sur lui et par conséquent, il faisait du bien. Et par conséquent, il pouvait attendre, alléluia, ce qui avait été promis par Dieu. Alléluia. Et l'Esprit Saint, il lui avait été révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il y vint alors au temple poussé par l'Esprit et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. Alléluia. La présentation de Jésus dans le temple, c'est toujours Marie qui a présenté Jésus. C'est toujours Marie et Joseph. Et nous savons très bien que Joseph n'était pas le père de Jésus. Oui, nous le savons très bien. Par le message de l'ange Gabriel, nous savons très bien la descendance de Jésus. Et la descendance, que ce soit physique et spirituelle. Alléluia. Joseph n'était que le gardien de l'enfant. Il était le père selon les hommes, parce que Jésus était quoi? Était un homme. Selon les hommes, parce qu'il était un homme. Mais en vérité, nous savons très bien quelle était l'origine de Jésus. Or, connaître Jésus, prendre Jésus, parler de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui le donne. L'Esprit Saint a visité Siméon et Siméon est venu au temple. Malgré son âge avancé, malgré les problèmes avec l'âge, mais il est venu dans le temple. Et Siméon était un prophète. Il a prophétisé à propos de Jésus et il a prophétisé aussi à propos de Marie, ce qui arrivera à Marie. Alléluia. Par l'Esprit Saint, Siméon a révélé à Marie ce qui allait suivre. Et alors, après la présentation, Siméon a dit, « Maintenant, maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. » Alléluia. Alléluia. Le serviteur de Dieu a reçu, c'est la promesse faite à lui, qui ne mourra pas avant d'avoir cette consolation d'Israël. Et Siméon était rempli d'Esprit Saint. Il a pris l'enfant. Aujourd'hui, c'est quoi que nous allons apprendre au fait? C'est respecter la loi et aussi respecter ce que Dieu a prescrit et dire ce que Dieu te donne de dire aux autres. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.